Bonjour et bienvenue dans le journal des Sanghas, l'émission que vous propose Bouddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Le journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est l'actualité de vos communautés en bref, ici et maintenant. Le Dojo Senzen vous accueille pour pratiquer Zazen. Le mardi et le vendredi matin à partir de 7h et le dimanche soir à 18h30. L'association bouddhiste tibétaine Lumière de Lune à Marseille organise les méditations guidées les 4, 11, 25 et 28 novembre. Dzogchen Shaolin vous propose du 1er au 3 novembre une retraite apprivoiser les émotions. Du 9 au 17 novembre, une retraite intensive de la pleine conscience. Et du 23 au 24 novembre, un programme de Qigong chinois traditionnel. Le centre Korlopema Yangzung organise 3 jours d'enseignement et de pratique sur le Bouddha Amitabha du 2 au 4 novembre. Lehab Ling vous invite pour une journée d'enseignement avec Sogyal Rinpoche le samedi 23 novembre. Le centre Kalachakra de Paris a toujours un programme bien rempli pour ce mois de novembre. Du 1er au 3 novembre, massage tibétain avec le docteur Bonchon. Samedi 2, de 14h à 18h et dimanche 3, étude d'un texte de Chandrakirti. Mercredi 6, 13, 20 et 27, méditation guidée. Jeudi 7 et 21, médecine tibétaine, les diagnostics. Samedi 9, découverte du bouddhisme, développer l'esprit d'éveil. Dimanche 10 et lundi 11, introduction à la méditation sur la voie graduée vers l'éveil avec la Vénérable Dechen. Jeudi 14 et 28, méditation sur le souffle avec Hugues Cousin. Samedi 16 et 23, pratique de Kalachakra. Samedi 16 et dimanche 17, programme d'études approfondies, les vues philosophiques selon les 4 écoles, avec Geshe Dagpa Tsundu. Samedi 23 et dimanche 24, la voie graduée vers l'éveil avec Geshe Dagpa Tsundu. Samedi 30, introduction à la méditation Vipassana avec Jean-Jacques. Quant au centre de retraite Kalachakra dans la Sarthe, il vous propose différentes retraites. Retraite de Vajrasattva du 31 octobre au 7 novembre avec Vénérable Sonam. Retraite sur le calme mental du 9 au 11 novembre avec Hugues Gouzen. Et enfin, une retraite de Vipassana et Muramudra du 16 au 24 novembre avec Jean-Jacques Maillard. Dans la rubrique annuaire, nous vous présentons aujourd'hui l'espace bouddhiste tibétain. L'espace bouddhiste tibétain, ouvert aux bouddhistes comme aux non-bouddhistes, propose des enseignements du bouddhisme et de son histoire. Côté pratique, sont organisées de manière régulière autant des sessions de méditation que des ateliers sur le souffle, sur le calme du corps et de l'esprit et des réflexions sur la vie professionnelle. Mais l'espace bouddhiste tibétain, c'est aussi la concrétisation de projets humanitaires et éducatifs en faveur des enfants tibétains et des populations défavorisées de l'Inde, du Népal et du Tibet. Pour plus de renseignements sur l'espace bouddhiste tibétain, rendez-vous sur www.kddparis.org ou dans la rubrique annuaire de Bouddha Channel. Du mardi 24 septembre au vendredi 6 décembre, la Maison de la Culture du Japon à Paris vous invite pour une exposition nommée « La ville de Kanazawa, une culture vivante ». Cette exposition retrace sous forme de panneau l'histoire de Kanazawa de 1583, la date à laquelle arrive dans cette ville le seigneur Maedetochi, à nos jours. Elle montre comment, à des fins stratégiques, les seigneurs Maedé n'ont cessé d'œuvrer pour le développement de l'urbanisme, des arts et des sciences. Cette introduction à la grande exposition de la rentrée nous permet de découvrir le château de Kanazawa tout en nous plongeant dans l'ambiance du Higashi Shagayai, le quartier des maisons de thé. Pour plus d'informations sur cette exposition, rendez-vous sur mcjp.fr ou dans la rubrique Culture de Bouddha Channel. Au
Aujourd'hui, nous vous présentons le livre « La prière en sept chapitres » de Padma Sangbhava, traduit par Shimed Rinzing Rinpoche et James Law. Tirées du Terma du Nord, ces prières furent écrites par Padmasambhava à la requête de ses cinq principaux disciples, dont Yeshe Tsogel et Trizong Dotsen. On y retrouve le célèbre Champalundrup, qui est la prière qui exauce tous les souhaits, et le Bartche Nabzel, prière qui élimine tous les obstacles. Écrits en tibétain et en phonétique, les textes sont à la fois traduits mot à mot et en vers. L'un des traducteurs, James Law, est à l'origine de l'introduction sur la foi et la dévotion dans le bouddhisme tibétain. Pour commander ce livre, rendez-vous dans la rubrique « Livres » de la boutique Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous communiquer chaque jour, au mieux, les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de décembre. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur le site www.buddhachannel.tv et sur notre fanpage Facebook. Je vous souhaite une très belle journée à tous.